Bien, bonjour à tous. Nous sommes en direct de la côte Saint-André. Les demi-finales du concours jeune ont pris place à l'intérieur du boulodrome en raison des intempéries. Il y a eu de violents orages hein, du côté de l'Isère. Voilà, et puis on aura les demi-finales du concours international à partir de 14h30. Voilà, on joue actuellement la partie catégorie moins de 18 ans entre l'équipe composée de Thomas Burnichon et d'Arthur Bay, opposée à Eva Belvanoël et Jennifer Gomez. Voilà, alors les filles qui sont menées 4-0. Par contre, avantage de boule en cours. Voilà, a priori 4 boules à une. On a décidé d'aller tirer du côté de Jennifer Gomez. Belle frappe, ciseau, carreau. Et le carreau qui conserve le point. Voilà, une mène qui va peut-être permettre aux filles de lancer leur partie. Allez, puis c'est Thomas Burnichon qui va faire venir sa dernière boule. Puis on se reportera tout à l'heure au terrain numéro 5. Honneur aux filles également. On ira suivre la performance de Lisa Gouillou et de Déborah Matrel qui sont opposées à l'équipe du team Nutella, Gianni Bresciano et Matteo Mana. Pour l'instant, ça se passe un petit peu moins bien pour les filles qui sont menées 6-0. Voilà, on est fort du côté de Thomas Burnichon. Le point qui reste. Voilà, le point qui semble rester aux demoiselles avec encore deux ou trois boules au fond du jeu. A priori, c'est deux boules. Et c'est Maëva Belvanoël que vous connaissez sur Sport Boule Diffusion, puisqu'elle nous a souvent aidé à commenter les différentes rencontres, notamment au mois de mars dernier. On était ici même à la côte Saint-André. Alors, c'est trois boules en main encore hein, pour les filles. Maëva Belvanoël qui n'a pointé qu'une seule boule. Voilà, et qui rajoute sans difficulté deux points par terre. On se retrouve avec deux boules de parité du côté des filles. Alors, petite erreur de ma part. Encore deux boules, mais dans les mains de Jennifer Gomez. Donc voilà, hein, Maëva Belvanoël qui nous avait aidé à commenter notamment les finales des clubs jeunes moins de 15, moins de 18. C'était les 2 et 3 mois derniers. On était ici même à la côte Saint-André. Voilà, et ben la voilà aujourd'hui devant les caméras. Et c'est Jennifer Gomez, auteur d'une belle frappe, hein, on le rappelle. Ciseaux, carreaux. Elle démontre désormais l'étendue de son talent au point. Voilà, boule de parité à venir. On va peut-être remettre les compteurs à zéro. Plus précisément à 4. Après cette dernière boule. Voilà, une boule un peu courte, mais qui pourrait compter. Voilà, c'est 4 points. Allez, on va laisser les demoiselles à cette parité, 4 partout. Puis on va se reporter sur le terrain numéro 5 en moins de 15. On aurait filles en ce début d'après-midi avec Lisa Gouillou et Déborah Matrel.
Voilà, la reprise a un tir un petit peu malheureux pour Lisa Gouyou. La reprise pour Déborah Matrel est partie au tir du côté de Matteo Mana. Voilà, que vous aviez découvert, c'était au mois de juillet dans le cadre du tournoi international jeune à Saint-Vulbas. Voilà, a priori, on semble être 2-2 dans cette partie. Voilà, on rappelle hein, que c'est l'équipe Bresciano qui mène 4-0. Voilà, reprise assurée. Voilà, et c'est Gianni Bresciano qui évolue aujourd'hui sous les couleurs du team Nutella. Voilà, que vous aviez également découvert à Saint-Vulbas, au mois de juillet, finaliste du tournoi du tir de précision dans la catégorie moins de 15, avec les couleurs de Monaco. Le voici au point. Voilà, sur la reprise, 50 devant la boule adverse. Ouais, il a empêché les filles de tirer. Voilà, et on est boule à boule dans cette main. On laisse tirer sur le terrain voisin. Et dans l'autre demi-finale, moins de 15. Et ici, une boule courte qui descend sur la droite. Voilà, et puis une boule dans les mains de Matteo Mana actuellement à l'écran. Alors, une boule qui redescend et qui semble compter. Voilà, on va attendre la mise à jour du score. On devrait être sur du 6-0. Voilà, et puis du côté des moins de 18, une nouvelle main qui va redémarrer. Alors, on est 4-5 hein, du coup dans l'autre partie puisqu'on n'avait pas mis le score à jour. Voilà, et puis une annulation de l'équipe Burnichon-Bay, voilà, sur une main mal engagée. Voilà, deux points confirmés pour l'équipe Bresciano, qui passe à 6-0. On va rester sur cette partie, puisque c'est plus serré du côté des moins de 18. Alors, partie limitée en 1h15, qui finiront à 14h20. Voilà la présentation des différentes finales qui sont effectuées au micro. Et la nouvelle main, Gianni Bresciano. Il est sur un but à 15 mètres, un peu plus de 15 mètres. Une boule qui reste courte.
bien 1m50 devant pour le pointeur du team Nutella. Voilà, Déborah Matrel qui semble vouloir prendre la même direction. Elle va peut-être un petit peu plus croisée. On a un but pratiquement en centre du jeu. Voilà, la reprise assurée pour Demora Matrel. Une boule qui reste courte également, un peu plus d'1m50 du but. Et on vous rappelle qu'on est en direct de la Côte Saint-André, les 110e fête bouliste. On assiste au demi-finale jeune. Voilà, et puis on assiste à une partie de moins de 15 entre l'équipe Gouyou et l'équipe Bresciano. Voilà, et puis c'est justement Gianni Bresciano qui est actuellement voilà, à la reprise sa seconde boule. Voilà, une boule sur laquelle Lisa Gouyou va aller tirer. Elle est pratiquement à 15 mètres de distance. Ouais, c'est sur la gauche pour Lisa Gouyou. Ouais, les filles qui sont en réflexion, 4 boules à 4. Voilà, et puis on va vous signaler qu'à partir de 14h30, on va avoir les demi-finales du concours international. Alors, dans la première demi-finale, on va avoir l'équipe Jarige. Roger Jarige, après son titre de champion de France, associé à Grégory et Alexandre Chira, Olivier Badinan et Alexandre Demont, qui seront opposés à l'équipe de la boule de Vienne. Jean-Michel Marron, Denis Verrier, Anthony Bourrin, Stéphane Tracanelli, Christian Go et Pierre Vess. Et puis dans l'autre demi-finale, on va retrouver une équipe italienne avec le team Nutella. Lucas Cassagne, Lino Bruzzon, Daniel Grosso, Carlo Bresciano, Joseph Sbalchiero qui vont être opposés à Fabien Rigolier, Jérôme Pratt, Florian Dupraz, Damien Didier et Franck Burnichon. Voilà la reprise, très belle reprise réussie par Déborah Matrel. On va aller tirer du côté de Matteo Mana. Ah, sur la gauche. Donc le point aux filles, 3 boules à 3. On va bien sûr aller retirer du côté du team Nutella.
répondu ici. Ah, frappé cette fois-ci pour Matteo Mana. Alors, 3 boules à 2. Décide d'aller pointer Déborah Macrel. Sa troisième boule à venir. Allez, nous rejoint un premier invité. On va le retrouver tout à l'heure sur le terrain. C'est Grégory Chira. Bonjour Grégory. Salut Christophe, ça va ? Oui, bien, merci. Et toi ? Ça va, ça va. Alors, raconte-nous un petit peu comment se sont passés ce début des fêtes boulistes. Ça a démarré depuis samedi ? Samedi. Bon, on a joué une équipe composée de l'équipe Catafor. De Quentin Catafor, on a fait une belle partie, on a gagné, donc logique, quoi, quand on joue bien, on fait du jeu, donc ça va bien. Après on a joué l'équipe de la Matézine avec Anthony Léva Marcon, on a continué à faire du bon jeu, donc tout va bien, donc quand on fait du jeu, c'est déjà pas mal, donc au moins on se fait plaisir, et puis après le résultat, s'il est là, tant mieux. Donc on a fini premier de poule et puis après les huitièmes et les quarts de finale ont été sur le même tempo. On fait beaucoup de jeux, surtout mon frère et Roger Jarige qui font énormément de jeux. Donc derrière les demi eux sont un peu plus tranquilles. Alors toutes les parties se sont déroulées en extérieur, c'est ça, sur la place. Oui. Et puis bah, malheureusement hier soir, c'est ça, gros orage sur la côte Saint-André. On aurait bien aimé continuer sur la place parce qu'on avait trouvé de bons repères, quoi. Mais bon, s'il faut jouer à l'intérieur, on fera quand même le maximum pour réussir à faire de belles parties. Et oui, hein, parce que malheureusement, même si le soleil actuellement fait quelques apparitions sur la côte Saint-André, il est encore beaucoup plus ce matin et puis la place était inondée, ce qui explique qu'on a pris la décision du côté des organisateurs de se retirer à l'intérieur du boulodrome. Les demi-finales à partir de 14h30. Et puis vous allez rencontrer une équipe, la Boule de Vienne. Oui, j'ai eu l'honneur de les rencontrer avec la cadrette Gonnet cette année en Grand Prix. Donc ils ont, lors de ce Grand Prix, ils ont fait une belle série de frappes. Donc on va essayer de les contrer soit au tir, soit mettre encore beaucoup plus de boules au point pour essayer qu'ils piochent un peu au tir. On va voir comment ça se passe. Alors, que représente pour toi ces fêtes boulistes ? Alors, on a la Côte Saint-André, on a Gap. Pour un joueur de haut niveau, est-ce qu'on est sur du festif ou alors est-ce qu'on est également sur de la compétition ? Alors nous on est venu là surtout pour s'amuser, passer un bon week-end entre copains. Donc même si on a une belle équipe, parce que composée de quand même 3 joueurs première division, donc on a quand même une belle équipe, mais à côté on a quand même Alex Demont qui est un ami, Olivier Badiment qui est un pote à mon frère et à moi, plus Alex Demont, donc c'est surtout pour être ensemble un week-end, tranquillou quoi. D'accord. Tu seras à Gap également ? Oui, je serai à Gap avec l'équipe Bresciano. D'accord, très bien. Que tu retrouveras d'ailleurs peut-être en finale, parce que l'autre demi-finale va opposer l'équipe Bresciano à l'équipe de Damien Didier. Et on va avoir vraiment 2 demi-finales extraordinaires cet après-midi à la Côte Saint-André. Oui, j'espère. Hein. Voilà, là on est du côté des jeunes avec justement fils de Carlo Bresciano, Gianni Bresciano, boule de rajou qui semble courte. Ça devrait être un petit point pour les jeunes. Donc on va rappeler un début demi-finale à partir de 14h30. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un point confirmé, 7-0 pour l'équipe Bresciano.
Et ben, du coup, on va aller se reporter sur l'autre équipe de demoiselles qui évolue en moins de 18. Le score est passé de... Le score est passé à 11 à 4. Alors par contre, ce sont les filles qui sont montées à 11 ou qui auraient encaissé une mène de 6. Ça va être à... Voilà, on va vérifier l'information et puis on va vous faire suivre peut-être la fin de cette partie. Allez, ben on a pris l'information pour vous. C'est l'équipe composée de Jennifer Gomez qui vient de réussir une belle frappe et qui semble avoir fait entrer Thomas Burnichon et Arthur Bay pardon, dans le club des 6 avec 6 points encaissés sur une main. On essaiera d'avoir l'information auprès de Maeva Belva-Noël. Au moment où Jennifer Gomez va s'élancer. Que t'inspire cette jeunesse bouliste, Grégory, toi qui en faisais partie il y a encore quelques années? Ben, je remarque que ce soit les moins de 15 ou les moins de 18 ou les moins de 13, si je me trompe pas, c'est ça? Oui. Les trois catégories. Et ben, qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui la jettent bien déjà. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de séries de frappes, quoi. Donc c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un bon début pour les jeunes. Après, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils arrivent à bien pointer. Et puis, ça ferait de belles parties aussi. Hein. C'est clair. Ouais, Maeva Belva-Noël fort sur cette tentative de reprise, la dernière boule à venir pour Jennifer Gomez. Il en reste 3 à Thomas Burnichon et Arthur Bay. Là c'est ce que tu fais et là c'est tout ce que t'as. Alors, on était parti tirer du côté de Thomas Burnichon. A priori, c'était pour faire compter des points. Voilà, et puis annulation, c'est dans la catégorie moins de 15 hein, pour Clément Lefort. Non, c'est Clément. C'est pas Clément Lefort. Non, non. C'est celui qui joue avec mon frère. Ah, donc tu as ton frère, Grégory, oui. Qui est terrain numéro 4, en moins de 15. Ouais, c'est le coéquipier dessus qui vient de taper le but. Et à nouveau raté pour Thomas Burnichon.
Et les dernières balles à venir pour les garçons. Alors a priori, ça se passe pas très bien pour l'instant, hein, mener 7-0. Bah je vois ça. Non, puis en face, Clément Lefort, c'est quand même un jeune qui a montré quand même pas mal de niveau de jeu déjà cette saison dans sa catégorie. Donc il a remporté, je crois, des titres de champion de France. Quoi. Deux, je crois, non? Alors il je semble. T'avouerais ne pas avoir bien suivi les moins de 15. Il me semble, je crois qu'il est, ou c'est l'année dernière, mais il a c'est effectivement un nom qui revient fréquemment ouais. Hein, dans les palmarès en moins de 15. Puis fait déjà Clément Lefort. Puis fait les stages en équipe de France, enfin les stages nationaux, je crois, avec les qui existent pour intégrer l'équipe de France, les trucs comme ça, quoi. Allez Clément. Alors, on n'a pas mis son score à jour du côté de l'équipe Burnichon, mais a priori, c'est un point supplémentaire. 5-11 et il reste 25 minutes de jeu. Voilà, les parties qui vont se terminer à 14h20 et puis à partir de 14h30, les demi-finales du concours international. Voilà, dans l'autre demi-finale, moins de 18, c'est serré, 4 partout pour l'instant, entre les deux équipes. Et puis, chez les moins de 15, on est sur du 7-0, par contre, à l'avantage pour l'instant, du team Nutella et le force équipe Tara, hein, je pense. Oui, Tara, ouais. Oui. Ah, la belle boule pour Arthur Bay. But à 13 mètres qui va envoyer Jennifer Gomez au tir. Allez, on a décalé légèrement la caméra pour que vous puissiez apprécier la course d'élan de Jennifer Lopez. Jennifer Gomez, pardon. Eh oui, un petit peu de fatigue hein, de la route. Ah, elle tire un peu haut. But non annulé qui revient en place. Voilà, score qui a été mis à jour et confirmé, 5-11. Voilà, on va changer l'annonce. Alors, on a un but qui est à une quinzaine de centimètres derrière la boule. Et l'annonce du but à sa seconde tentative pour Jennifer Gomez. Voilà, c'est frappé. Voilà, vue large, vous pouvez découvrir toute cette jeunesse bouliste avec trois tournois en cours, moins de 13, moins de 15 et moins de 18 ans. Et Arthur Bay pour sa seconde boule. Voilà, et puis on a un boulodrome qui commence à se garnir copieusement. Alors, il était prévu en extérieur une tribune avec 800 places, tribune latérale. C'est vrai que alors, ces fêtes boulistes sont vraiment très appréciées en Isère, beaucoup de public. Ben surtout en été, c'est plus agréable de jouer dehors que dedans déjà. Parce que déjà toute la saison, on joue dedans. Alors, quand on voit un peu de soleil, on aime bien jouer dehors, quoi. Thank you.
sort des limites du terrain pour Maeva Belvanoël. Cette boule qui est restée dans le terrain, pas suffisamment montée pour réussir la reprise. Voilà, encore deux boules à jouer pour l'équipe Belvanoël Gomez. Voilà, et puis 14h au tableau d'affichage, on vous rappelle les demi-finales du concours à partir, concours international hein, avec la présence de différentes équipes étrangères. On rappelle qu'on en retrouvera une en demi-finale à partir de 14h30. Et puis surtout, alors les 110e fêtes boulistes, c'est vraiment des fêtes populaires qui font rêver, hein, une telle longévité. Il n'y a pas beaucoup de concours qui puissent dire qu'ils ont fait 110 éditions, quoi. Donc c'est très bien pour la côte et je pense pour le sport boule déjà. Puis de voir déjà autant de monde à chaque édition, ça veut bien dire quelque chose déjà au niveau de la qualité du tournoi déjà. Et voilà, les filles qui ont serré comme elles ont pu. Il reste 4 boules au double Burnichon Bay. Et qui va peut-être essayer de remettre les pendules à l'heure. Voilà, on va rester sur cette partie qui, ma foi, tient toutes ses promesses et va nous réserver un suspense jusqu'à la fin. Ouais, c'est un petit peu plus déséquilibré hein, du côté des moins de 15. On a deux équipes qui mènent 7-0. Également du côté des moins de 13. Puis par contre, l'autre demi-finale en moins de 18, on est sur une égalité 4 partout. Arthur Bay qui est resté court. Et c'est Thomas Burnichon qui va essayer de bonifier cette mène. Alors Grégory, on va également... On va également rappeler à nos amis spectateurs qu'actuellement on a les Jeux mondiaux hein, qui se déroulent du côté de Cali en Colombie. Oui. Avec notamment aujourd'hui le début, alors à 18h30 avec le décalage horaire, ça s'est peut-être déjà passé, des épreuves des qualifications en tir de précision. Où on a donc Gaël Millet hein, du côté des filles qui rentre en lice, et du côté des garçons, c'est Thomas Allier. Voilà, Thomas Allier qu'on retrouvera également du côté de Grut pour les prochains championnats du monde jeune. Alors ça te parle parce que toi-même tu as été champion du monde en tir en relais, c'était à Rijeka. Rijeka, oui. Bah, les Jeux mondiaux, bah, je ne connais pas exactement enfin, ce que c'est, mais je sais qu'en tout cas c'est des... deux épreuves en simple et qui est d'un très haut niveau. Donc, et puis envoyer des jeunes là-bas, c'est sympathique pour eux, c'est une belle expérience. Après, qu'ils se fassent plaisir, surtout Thomas, quoi, qui est vraiment jeune et tout. Donc, j'espère qu'il fera un bon jeu mondiaux et qu'il ramènera une belle médaille et voir pourquoi pas la plus haute, celle de l'or. Quoi. À l'image de Cédric Roche lors des derniers Jeux méditerranéens. Oui. Alors on a deux épreuves hein, qui représentent le sport boule dans cette compétition, le tir de précision et puis le tir progressif. Oui. Avec nos représentants donc chez les filles Barbara Bartet et chez les garçons Guillaume Abelfaux.
encore deux jeunes talents qui cette année ont montré qu'ils étaient encore présents. Donc j'espère qu'ils feront un maximum de résultats et de belles performances et qu'ils ne reviendront pas surtout avec des regrets, parce que c'est le plus terrible ça. Allez, on va abandonner quelques instants notre partie en moins de 18 pour revenir sur les moins de 15 avec Matteo Mana au tir. Voilà, les filles qui ont marqué hein, dans cette partie, on va vous afficher le score. Ils sont plus menées que 2 à 7 à un quart d'heure de la fin. 8 à 14 mètres, la belle boule pour Déborah Matrel. La reprise, la tentative de reprise courte pour Gianni Bresciano, boule qui se retrouve à 80 par côté, puis la frappe de Matteo Mana. Belle reprise à nouveau pour Déborah Matrel qui envoie à nouveau Matteo Mana au tir. Voilà, sur la tête, une boule qui sort. Voilà, score juste, 7 à 2 en faveur du team Nutella. Voilà, et on est 4 boules à 3. Voilà, Déborah Matrel qui est venue près à 2 reprises, sa troisième boule à venir. Voilà, sur la reprise, 50 derrière. Alors Grégory, on commence à chercher de la place hein, dans le boulodrome. C'est bien ça, ça veut dire que les gens participent à l'événement. Donc, puis il y a surtout pas mal de gens qui viennent voir les jeunes aussi. Parce que depuis tout à l'heure, le boulodrome est quand même pas mal garni déjà. Donc ils viennent pas voir que l'international déjà. Donc c'est une chose qui est positive déjà aussi. Puis on peut voir aussi qu'il y a aussi pas que des garçons quoi, même dans toutes les catégories, qu'il y a quand même des féminines quoi. Donc ça veut dire que les féminines sont capables aussi de jouer aussi bien que les garçons. Ah, et puis on le découvre à l'instant. Alors on a 4 féminines là actuellement hein, chez les jeunes qui font jeu égal, on l'a vu tout à l'heure en moins de 18 et sur cette main en moins de 15. Avec point par terre, 3 boules à 2 pour le duo Lisa Gouillou et Déborah Matrel. Gianni Bresciano qui fait venir sa dernière boule. Et on va peut-être également assister. Une belle fin de partie en moins de 15.
Et la dernière boule pour Matteo Mana, et qui est venu buter dans la boule de son partenaire. Alors on a trois boules à un peu plus de 60 devant. Et même tout juste au-delà des 50 cm. Alors trois boules en main. Et trois boules dans les mains de Lisa Gouillou. Avoir le point hein, du côté des filles. Voilà, et puis du côté de la partie qu'on a suivie tout à l'heure en moins de 18, premier trou pour Jennifer Gomez, deuxième trou. L'équipe Burnichon B qui n'a plus de boule, par contre casse. La reprise assurée par Thomas Burnichon à sa dernière boule. Alors Lisa Gouillou qui est venue buter dans le barrage formé par les deux boules adverses, qui a dû se démarquer. Voilà, sa partenaire qui était à la mesure. Alors, Jennifer Gomez qui a un petit tir un peu haut, qui semble avoir frappé sa boule. Attention, parce que du coup, c'est peut-être deux points par terre. Allez, Lisa Gouillou qui va devoir réparer. On rappelle qu'elle est rentrée dans la boule de son adversaire. Ouh là là, Maeva Belvanoel qui est sortie des limites du terrain. Il reste encore une boule en main. Allez, on va suivre ce tir de la joueuse locale de la Côte-Saint-André. Eh, la belle frappe. Pas réussi à préserver sa boule, par contre, retrouve peut-être le point avec la boule de Déborah Matrel. Ouh là là, et puis bah, du côté des moins de 18, les filles qui laissent 3 points à leurs adversaires. Voilà, ça va être une dernière mène, 11 à 9, qui va être très serrée. On va suivre cette dernière boule de Lisa Gouillou. Et puis, à 8 minutes de la fin, les garçons qui sont revenus, 11 à 9. Lisa Gouillou qui est courte. Un point seulement. Voilà, pour les filles, on va abandonner ici en moins de 15. Puis on va suivre la fin de la partie en moins de 18 ans. Allez, première boule, 60 par côté pour Arthur Bay. C'est Maeva Belvanoel qui est au point. Voilà, boule qui dépasse le but d'une trentaine de centimètres.
C'est suffisant pour reprendre le point. Voilà, 6 minutes de jeu encore. Et puis à partir de 14h30, les demi-finales du concours international pour les 110e fêtes de la Côte-Saint-André. Fête bouliste de la Côte-Saint-André, Arthur Bay. Voilà, ça gagne. Jennifer Gomez qui a vérifié, mais c'est sans souci. Ah, la boule courte. 4 boules à 4. Bien, Grégory, merci de ton passage et puis on va te souhaiter bonne chance pour la demi-finale. Merci, puis bah, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci, ciao. Allez, Grégory Chirac qui est parti se préparer. On va le retrouver avec l'équipe Jarige en demi-finale du 32 cadrette international. On va être opposé, pardon, à l'équipe de Vienne. L'équipe du capitaine Jean-Michel Marron. Alors c'est Jennifer Gomez qui est passée au point. Quatrième boule déjà pour son équipe. Il reste 4 minutes au tableau d'affichage. Voilà, et puis on se retrouve de boule à 4 du côté des filles qui mènent 11 à 9. Une boule forte qui file sur la droite. La dernière boule à venir pour Jennifer Gomez. Ah, évite la boule de sa partenaire. À moins de 2 minutes de jeu, 4 boules à jouer, ça devrait être la dernière main. On a décidé d'aller tirer au but du côté de Thomas Burnichon. Un but pour 3 points. Alors le tir court a priori non régulier, les boules qui devraient revenir en place. Voilà. Jennifer Gomez qui devrait également remettre la boule de sa partenaire. Et on a décidé de la jouer au point, Arthur Bay. Un
Voilà, une boule qui contourne et qui ne gagne pas. On est rentré dans la dernière minute de jeu. Deux boules à Thomas Burnichon. Alors, Thomas Burnichon... Alors, qui va devoir soit jouer vite pour espérer une main supplémentaire, soit jouer lentement et vraiment s'appliquer sur ces deux boules. Voilà, a priori, semble avoir ajouté. On serait sur un score de parité, 11 partout pour l'instant. Voilà, fin du temps réglementaire. Voilà, donc boule de gagne pour Thomas Burnichon qui reste court. Voilà, on va être à 11 partout. Allez, on prend la fin de cette partie en cours, 11 partout. Maeva Belvin-Noël sur la reprise. Point par terre, 3 boules à 3. Avec en jeu une place en finale là. Et c'est Thomas Burnichon qui s'élance. On est sur une boule à un peu plus de 14 mètres. C'est sur la gauche.
Voilà, et puis c'est également serré dans l'autre demi-finale où on est 5 à 5. Allez, on va suivre la seconde tentative de Thomas Burnichon. Voilà, une boule dans le 50 autorisée par le règlement. Allez, c'est Maëva Belvin-Noël qui se présente. 4 boules à une pour les filles. Ah, une boule qui est venue buter dans la boule de son adversaire. Et on pointe sur un point à 30 cm. On aurait pu profiter de l'adresse de Jennifer Gomez pour les tirer. Allez, on va voir ce qu'elle va nous proposer au point. Eh ben, c'est réussi au point également. On rappelle que le temps réglementaire est terminé. Allez, la dernière boule pour Thomas Burnichon. Il faut frapper pour espérer. Voilà, et ben c'est le double. Maëva. Ah non, il reste pardon encore une boule à. Pardon, il restait encore une boule à au partenaire de Franck Burnichon, Arthur Bay, et qui va aller tirer. Faut frapper pour espérer, retrouver le point et restera debout la Jennifer Gomez. C'est frappé pour Arthur Bay. Une de ses rares boules au tir. Voilà, l'avant. Allez, c'est parti pour Jennifer Gomez. Ah, une boule qui reste courte. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire là, Jennifer, elle a décidé d'aller tirer. Alors, c'est tapé, une place en finale, c'est raté. C'est l'équipe Thomas Burnichon, Arthur Bay qui ira en finale. Le verdict dans quelques instants. C'est frappé, quel tir énorme. Et ben voilà, qui nous promet, les jeunes ont montré l'exemple. Place aux demi-finales du concours international. Et les joueurs qui prennent place au niveau de l'échauffement. Voilà, on va couper le micro quelques instants et puis on vous retrouve dans 5 minutes pour les débuts des demi-finales.